Toi seul, tu peux changer la vie de toute ta famille. Toi seul, frère. Est-ce que tu imagines comment tu es puissant, frère? Toi seul, tu peux prendre le nom de ta famille et mettre ça à un haut point. Qui connaît les frères de Bill Gates? Depuis que Bill Gates est devenu célèbre, il a fait quelque chose de très, qui a beaucoup de valeur là. Quand quelqu'un dit il a un Gates là, on sait c'est la famille Gates en fait. On sait qui est Gates. On sait qu'il y a un champion dans votre famille qui a fait que votre nom est connu maintenant. Un seul homme, frère. Un seul homme. C'est incroyable. Ouais les gars, comment vous allez? Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de votre pouvoir en tant qu'homme, en fait, sur les femmes. Voilà, votre vrai pouvoir en tant qu'homme sur les femmes. C'est quoi le pouvoir que l'homme a sur la femme moderne? Le pouvoir que l'homme a sur la femme moderne, en fait, c'est le fait de comprendre sa valeur. En tant qu'homme, dans cette société-là, on ne connaît pas nos valeurs, en vérité. C'est ça le vrai problème de l'homme. C'est ça qui fait que la majorité des hommes veulent courir après la femme, veulent courir après la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas vraiment qui il est. Il ne sait pas qui il est en tant qu'homme. Ce que ça signifie qu'être un homme, ce que ça signifie qu'être né un mâle en fait. Il faut que vous compreniez que dans certaines sociétés en fait, là, quand un enfant naît mâle, là, on célèbre ça. Pourquoi on célèbre ça en fait? Parce qu'un mâle a beaucoup de valeur. Un mâle peut porter le poids de toute une famille sur ses épaules. Un mâle peut porter le poids de tout un village sur ses épaules. Un mâle peut porter le poids de tout un pays sur ses épaules. C'est ça la vraie valeur de l'homme en fait. Parce que l'homme est fait pour aider, l'homme est fait pour pouvoir, l'homme est fait pour conquérir. Pourquoi est-ce que quand une femme met au monde en fait un homme, un mâle, elle est heureuse? Pourquoi est-ce que même quand une femme est veuve et qu'elle a des fils, elle est heureuse? Pourquoi en fait? Parce qu'elle sait que ces enfants-là peuvent me nourrir. Elle sait que ces enfants-là peuvent m'apporter quelque chose. Elle sait que ces enfants-là peuvent aller chasser pour me donner à manger en fait. C'est ça la valeur du mâle en fait. Il est là pour aider sa communauté. Il est là pour aider les gens autour de lui. Il est là pour pouvoir aux besoins des gens qui sont autour de lui, pour protéger les gens qui sont autour de lui. Quand tu comprends ça, quand tu comprends ce système-là, frérot, en aucun cas en fait, les gens vont te faire douter de ce que tu es. En aucun cas, les gens vont te faire douter de ce que tu es en fait. Tu n'as pas besoin d'être riche, frère. Je vous dis toujours, la majorité des personnes à qui je parle ici, c'est l'homme moyen. L'homme moyen, il n'est pas riche. L'homme moyen, il n'a pas tellement de ressources, en fait. Mais comprends ta valeur. Comprends ta valeur, frère. Parce qu'une fois que tu as compris ta valeur, c'est là que tu te mets sérieusement au travail pour devenir ce à quoi tu es appelé, pour devenir ce que tu dois être, pour devenir ce, pour toucher ce à quoi tu es prédestiné, en fait. C'est ça la science. C'est ça la science, mais tu peux pas te battre pour quelque chose que tu connais pas. Tu peux pas te battre pour quelque chose que tu connais pas. Il faut que tu comprennes ta valeur. Tu veux poursuivre. Non, bro. Non, bro. Le truc, c'est pas de poursuivre. Le truc, c'est d'attirer ce que tu es. Le truc, c'est de travailler pour augmenter ta valeur, pour que les personnes de valeur viennent à toi. C'est là que je comprends que tu as un super pouvoir. C'est là que la femme comprend que tu as un super pouvoir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comment la dynamique se fait en fait? Elle comprend que l'homme qui n'a pas le temps de me poursuivre, c'est l'homme qui comprend sa valeur. Et une fois que tu comprends ta valeur, tu es très attirant aux yeux de la femme. Une fois que tu comprends ta valeur, tu es très attirant aux yeux de la femme. Pourquoi elle n'apprécie pas les bêtas? Les bêtas ne savent pas qui ils sont. Les bêtas ne savent pas que la femme est censée te poursuivre. Les bêtas ne veulent pas laisser la femme le poursuivre parce que c'est dans son ADN de poursuivre. Ils ne comprennent pas leur valeur. Une fois que tu as compris ta valeur, frère, tu es peut-être à 1000 km de l'homme normal. Parce que je vous ai dit, 99% des gens sont bêtas dehors ici. Faut pas regarder leur corps musclé. Ils sont bêtas, ils sont tous bêtas, frérot. Il faut que tu comprennes ça. Comprends ta valeur. Comprends ta valeur en tant qu'homme. Même si tu n'as pas encore vraiment construit ta valeur, le simple fait d'être né un mâle, c'est quand même quelque chose de puissant. C'est quand même quelque chose de puissant. Toi seul, tu peux changer la vie de toute ta famille. Toi seul, frère. Est-ce que tu imagines comment tu es puissant, frère? Toi seul, tu peux changer la vie de toute ta famille, en fait. Toi seul, tu peux prendre le nom de ta famille et mettre ça à un haut point. Qui connaît les frères de Bill Gates?
Qui connaît les frères de Jeff Bezos? Dis-moi, on les connaît pas, frère. On les connaît pas. Mais après, depuis que Gates est devenu, Bill Gates est devenu célèbre, il a fait quelque chose de très, de qui a beaucoup de valeur là. Quand quelqu'un dit il a un Gates là, on sait, c'est la famille Gates en fait. On sait qui est Gates. On sait qu'il y a un champion dans votre famille qui a fait que votre nom est connu maintenant. Un seul homme, frère. Un seul homme. C'est incroyable, mon frère. Avec ça, tu as laissé une femme te traiter comme la merde. Avec ça, tu as laissé une femme te traiter comme quelqu'un qui n'a aucune valeur. Tu veux lui prouver ta valeur. Non. Arrêtez de vous prouver aux femmes. Elle te voit, tu as déjà la preuve. Tu es déjà frais, tu es déjà beau. Elle te voit. Tu n'as pas à prouver ta valeur à la femme. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les femmes là, elles vont toujours essayer en fait de réduire ta valeur. Je m'explique en fait. Comment elles font ça? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que elle est là. Elle voit que lui, c'est un footballeur. Il vient, il la salue, tout ça. Elle va toujours essayer de faire comme si genre, elle connaît mieux que ça en fait. Comme si elle côtoie des basketteurs en fait qui touchent des millions par mois. En temps là, elle sait que elle n'a jamais vu un homme d'une si haute valeur en fait. Elle va toujours essayer en fait de réduire ta valeur. Pour te faire sentir comme si c'est pas suffisant. Comme si tu n'en fais pas assez. Pourtant au fond tu sais que tu es un champion. C'est parce qu'il arrive à truc à Serédi et à comment on appelle ça Zokora. Voilà. Comprenez ça, les gars. Comprenez vos valeurs, les gars. Une fois que tu as compris ta valeur, tu es inarrêtable. Une fois que tu as compris ta valeur, tu vis dans l'abondance. Une fois que tu as compris ta valeur, tu ne poursuis pas une femme pour la mettre dans un truc, dans le bonheur, en fait. C'est ça. Une fois que tu as compris ta valeur, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu sais ce que tu apportes, en fait, à la relation. Tu sais que tu apportes quelque chose qui a de la valeur à la relation. Tu sais que tu peux protéger cette femme. Tu sais que tu peux pouvoir à ses besoins. Mais pourquoi tu vas courir derrière elle en fait? C'est ça les gars. C'est ça. Une fois que tu as compris ta valeur, tu es instoppable. Voilà. C'est ça les gars. On comprend notre valeur. Comprenez vos valeurs. Même si tu n'as pas l'argent, je te donne la force, je te donne la motivation de comprendre ta valeur et de commencer à travailler pour obtenir ce que tu dois obtenir. Parce que tu es prédestiné à gagner ça. Les femmes seront là, bro. Les femmes seront toujours là, mon frérot. Les femmes seront toujours là. Elles vont pas fuir. Mais toi, il faut que tu saisisses tes opportunités de réussite. Il faut que tu saisisses tes opportunités de réussite. Il faut que tu t'agrippes à ce que tu veux faire. Il faut que tu fasses ça avec tout ton possible, tout ton cœur. Le faire chaque jour. T'améliorer dans ce que tu veux faire. Demander de l'aide. Te perfectionner. C'est comme ça que ta valeur grandit. C'est comme ça que les gens autour de toi commencent à te respecter. C'est comme ça que tes propres parents commencent à te respecter. Parce qu'ils savent que, en fait, notre enfant est en train de produire quelque chose. Notre enfant est en train de faire quelque chose. Notre enfant peut compter sur lui. Si on a des problèmes, on peut aller vers lui. C'est ça ta valeur. Ta valeur, c'est pas de poursuivre les femmes. Ta valeur n'est pas de poursuivre les femmes. Parce que si tu les poursuis, elles vont toujours te faire penser qu'elles sont mieux que toi. Elles sont pas mieux que toi, frérot. Arrête de laisser les gens... En fait, là, ils réduisent ta valeur. Parce que tu te vends moins cher. Quand tu poursuis une femme, tu te vends moins cher, frère. On t'achète au prix auquel tu te vends. Mais la plupart du temps, les gens vont négocier ton prix si tu connais pas ton prix. Tu connais pas ta valeur. Tu sais pas ce que tu vaux dans cette société-là. Tu sais pas que toi seul, tu peux changer, en fait, un pays entier. Tu sais pas ça. Parce qu'une seule personne. Quels sont, en fait, les gars qui ont créé les plus grands mouvements, là? Les Gandhi, les Martin Luther King. C'est une seule personne qui a influencé des personnes et puis ils ont commencé quelque chose. C'est une seule personne. Ça va d'une seule personne. Un seul homme, en fait, qui se lève. Et puis il dit que non, il y a certaines choses qui doivent changer. Voilà, et puis ça change en fait. C'est un peu ça, c'est un seul homme qui fait ça. Voilà, donc comprends ta valeur, frère. Comprends ta valeur et plus personne ne va te manipuler.
Comprends ta valeur et plus personne ne va jouer avec toi. Comprends ta valeur et les femmes vont te respecter. Comprends ta valeur et les femmes vont te regarder. En fait, elles seront intimidées en fait par le niveau de succès que tu as eu. Comprends ta valeur. Tout passe par le fait de comprendre ta valeur. Comprends ta valeur, mon frérot. Comprends ta valeur. Parce que tu vaux quelque chose. Parce que tu vaux quelque chose. Parce que ce que tu as en toi, c'est un potentiel que tu dois réveiller. Que tu dois travailler. Que tu dois travailler. Tu dois chérir, en fait. Frère, le diamant, on le prend dans la boue. Le diamant subit la pression. Le diamant subit la pression. Il faut que tu acceptes la pression. Il faut que tu embrasses la pression. Mais tout en ayant ta valeur en tête, tu perds pas ta valeur. Tu perds pas ta valeur. Il y a des billets de 100$. Qui sont sales, il y a des billets de 100$ qui sont propres, mais ils ont toujours la même valeur, c'est toujours 100$. Ils font les mêmes achats en fait. Comprends ta valeur, frère. Ne laisse jamais personne te regarder de haut. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Comprends ta valeur, parce que tu as de la valeur. Voilà, on est ensemble, les gars. Ton, buvez l'eau.